une vie d'amour que l'on s'était vu. Alors que je suis à la semaine et qu'il est mercredi, elle ne connaissait pas le mariage. Du coup, j'ai tenu, elle a dit je parle. Non, mais toi, ça fait 3 ans, mais moi, je ne te connaissais pas en tant que patiente. Et quand je l'ai rencontrée, ça m'a fait drôle parce que j'avais tout le monde en couple. Elle habite juste à côté de chez moi. Ça fait des petits bizarres. Elle n'a jamais rien demandé. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler de ce que je vois pas? Moi, Yasmina. Alors, Cassandra, elle a habité ici et maintenant elle habite par nous. Elle est un petit peu bénévole maintenant dans l'association. À la fin, un petit peu. Elle est un petit peu bénévole, donc tous les enfants, dans cette jeune qui s'en sortent, eh ben, on leur donne la possibilité de rentrer dans l'association Carcasse. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées. Dernier recours de joie désharmonisée, des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va, meurt, mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un été.